Bonjour et bienvenue à tous une fois de plus sur la chaîne Lubumbashi Artist Official Music. Je espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler sur Marcus Joe. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les parcours de cet artiste humoriste congolais. Ok, c'est parti. Marcus est né à Lubumbashi le 27 mai 1996. De son vrai nom, elle s'appelle Ndaya Kabatanchi Jonathan, c'est un artiste humoriste comédien s'illustre particulièrement bien dans l'humour. Jonglant entre ses études de lettres en sciences de l'information et de communication et la scène, il a participé à plusieurs spectacles et autres galas du rire avec de grands labels. Le dernier en date, le Lubum Comedy Club, périple du rire et a de nombreuses activités culturelles. Qui est Marcus Joe? Un artiste humoriste de profession et comédien, gradué en sciences de l'information et la communication à l'université de Lubumbashi, UNILU, mais surtout Marcus Joe est célibataire. C'est lui qui le dit non sans humour. Le décor est déjà planté et il est inutile, chère demoiselle, de nous demander son contact. Parle-nous de ton parcours. Mon parcours est long, mais pas bien compliqué, enfant. J'étais turbulent et, selon mes proches, mes réactions étaient parfois bizarres. Sur scène, quels sont les thèmes que tu développes? Je développe mes thèmes beaucoup plus sur le procédé le plus utilisé en humour, celui de la comparaison du social et de la vie quotidienne. L'humour est culturel, ce qui fait rire les Congolais ne fait pas rire forcément les Ivoiriens et ce qui fait rire parfois les Blancs ne fait pas rire les Africains. Une petite anecdote pour terminer. Un jour, deux bandits congolais décident de faire leur boulot en français, après avoir feuilleté un livre de grammaire, ils décident donc de faire un braquage, ils s'infiltrent dans une banque, pointent leurs armes sur tout le monde et le chef de la bande crie à haute voix, « Celui qui tire, je bouge !» Et aujourd'hui Marcus Joe continue à enchaîner à faire des baises sur toutes quatre plateformes de services internet. Voyons un peu son extrait. Non. Avant de voir d'abord son extrait, il y a un petit rappel. Si tu n'as pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ok. Papa. Quoi? On fait ceci, hein. Je lance l'instrumental. On fait un battle. Je chante. Tu chantes aussi. Chanter? Oui. Ah, petit. Sans souci. Papa. Lance. Je commence, papa. On n'aime pas les hypocrites. On n'aime pas les doubles discours. On n'aime pas Bandoka gentil. On n'aime pas des partout. C'est ton tour, papa. Lance la musique. On n'aime pas les petits discours. On n'aime pas les petits discours. On n'aime pas Bandoka gentil. On n'est pas partout. Bloqué. Alléluia! Je bloque! Père, tu as dit, je bloque mes ennemis! Je bloque les sorciers! Je bloque! Qui? Ce n'est pas la prière, papa! Amen. Amen. Voilà. Ben, merci beaucoup, papa. Merci. Ces derniers temps, je manque l'argent de payer même la nourriture. Oh. Merci pour l'invitation, en tout cas. Tu es dans la maison du Christ. En tout cas, tu peux te servir. Enfin, il y a les riz, il y a de la viande, il y a même mon plat préféré, la tilapia. La tilapia. Non, papa. Les tilapia. Les tilapia. Ah. Ce n'est pas la tilapia. Donc, comme ça, hein, tu n'as pas l'argent pour te payer. Tu n'as pas l'argent pour te payer à manger, mais tu as le courage de corriger celui qui t'invite à manger. Regarde, tu ne vas plus manger. Non. Tu ne vas plus manger. Regarde, que Français te paye la nourriture. Écoute-moi très bien. Dans la vie, hein, quand tu n'as pas l'argent, on ne corrige pas celui qui a l'argent. Oui, papa. Va manger chez toi. Non, c'est la tilapia. C'est la tilapia. C'est quoi? C'est la tilapia. Même ça, c'est la riz. Merci, papa. Bon appétit. Merci, papa. C'est mon plat préféré. J'aime aussi la tilapia.